C'est sérieux. Mets-toi devant. Montrez mes déformations. C'est l'heure des heures. C'est quoi? Les trois rouges en finale, 2-1, avec un plan. Il s'agit là d'un jeu. Et ce que nous attendons de vous, c'est une belle prestation. Pas de méchanceté, pas d'acte anti-jeu. Jouer seulement la fraternité, le fair play. C'est ce que nous attendons de vous. La victoire, là, c'est autre chose. Je sais que vous êtes en mesure de gagner tous. Mais comme ce n'est pas tout le monde qui doit gagner la croix, alors nous allons saluer celui qui aura été le plus fort. Donc, mes encouragements, surtout du fair play, c'est ce que nous attendons de vous. Merci. Le coup d'envoi de cette troisième journée donc du championnat national. Le coup d'envoi sera donc donné. Voilà donc le coup d'envoi donc donné, mesdames et messieurs. Place véritablement dans le championnat, troisième journée et quatrième journée. Ok, oh, venez, attendez. Regardons un ballon de tout bas. On sort de sa zone de vérité, on perd le ballon. Récupération, Djokwe, joli bébé, sur le côté. L'équipe du CAFOS de Djokwe. Le ballon levé, la tête de la voie de la défense, pas pour longtemps. Récupération de Touba, c'est un ballon qui va sortir. Le ballon sort au bénéfice de Djokwe Gondo Ernest. On va donc casser du côté de joli bébé. Joli bébé, talonnade de joli bébé. Et c'est un ballon qui va sortir. Cette talonnade nous a donc rappelé son but. Son deuxième but pour permettre à l'équipe de Djokwe d'être champion de Côte d'Ivoire l'année dernière. Regardons un ballon de Djokwe. Ballon levé. La tête de la défense du tout à force de Djokwe. Le ballon est dégagé. C'est un ballon qui va sortir au bénéfice du CAFOS de Djokwe. Et c'est le porteur du numéro 11, Sidibé Ben Malik, le métronome, le maître à jouer de cette formation de Djokwe. Sidibé Ben Malik. Et il va l'encouvrir du côté de joli bébé. Joli bébé. Joli bébé qui va l'encouvrir du côté de Djokwe Gondo. Ballon en profondeur. On se dégage comme on peut du côté de tout. De son porteur du numéro 6, Amani Yao. Yao Amani, on se dégage du côté de Djokwe Gondo Arnes. La déviation, récupération de Touba. Le porteur du numéro 3, Roméo Carlos Virgi. Le ballon franchi de la ligne médiane. Et c'est un ballon trouvé joli bébé dans son propre camp. Il va l'encouvrir du côté de son porteur du numéro 6. Lequel porteur du numéro 6 perd le ballon? Récupération de Touba. Touba aux abords de la zone discontinue. Et c'est un ballon qui va sortir. C'est un ballon qui va sortir. Au bénéfice de la défense du CAFOS de Djokwe. Le champion en titre qui remet donc son jeu, son titre en jeu en cet après-midi face à la formation donc de Toumak et de Touba. Regardons un ballon profond de Djokwe qui est levé. La tête de l'envoi de la défense de Touba. Récupération à nouveau de Djokwe. Joli bébé qui va le couvrir du côté de son porteur du numéro 3. Kwaku, Kwaku. Kwaku, Kwaku. On perd le ballon. Récupération de Touba sur le côté. L'ouverture du score. L'ouverture du score. L'ouverture du score. L'équipe de Touba qui va donc hériter d'un ballon. Kwaku, Kwaku. Joli bébé. Joli bébé de Djokwe. Le score a donc de 2-1 au bénéfice des rouges. Accélérateur pour obtenir le soupçon musical et on revient tout à l'heure pour le deuxième match. Quelle force.
Ce match, l'équipe de Dalois en bleu et rouge face à la formation donc de Toumac de Touba. Donc l'équipe de Dalois face à Mans. Coach Aïdara, les préparatifs pour la Coupe d'Afrique du côté de Niamey vont bon train. Mais au-delà de l'objectif que la fédération s'était fixé, nous avions un objectif caché qui était de remporter les deux trophées. Malheureusement, nous sommes tombés en vétérance sur une équipe du Togo qui en voulait plus. Absolument. Et nous sommes tombés les armes à la main, comme à Yamoussoukro, on l'avait fait en senior. Et cette année, bizarrement, nous avons apporté le trophée des seniors et en vétérance, nous sommes tombés. Vous savez, la troisième année, l'objectif principal, c'est d'aller chercher. Une équipe de Dalois qui a des difficultés au niveau donc de son attaque face à une formation de Marius Dr Koumalou. UTB, nous sommes. Nous les défenses devront se dégager. La tête de l'envoi de Dalois, régulateur et bandement, ballon levé. Pour le pédicat défensif, récupération de la formation de Dalois. Et c'est une faute directe de Fouzard au bénéfice de la formation de Dalois. Avec Fousséli, Fousséli, et c'est. Oui, Dalois, très adversaire. Le constat que nous avons fait depuis la reprise, c'est que Dalois a perdu beaucoup de force. Voilà donc merci donc l'ami technicien Aïdara Sariou, le coach de l'équipe nationale de Barakana de Côte d'Ivoire, le coach du Centre de Gagnoire, meilleur entraîneur 2013 de la Fédération Ivoirienne de football en Côte d'Ivoire, Aïdara Sariou qui a donc remporté la Coupe d'Afrique de Barakana avec les seniors au Bénin l'année dernière face au Togo 3-0. C'était un match donc élevé dans le véritable défensif, le ballon sort au bénéfice de la formation donc, de Mans, le porteur. Le porteur rouge et bleu répond le capitaine de le porteur numéro 3. Voici Poisson hier. Il est Poisson qui va se dégager. Et notre ami de la Ligue du Grand Ouest, c'est un peu temps au bénéfice de l'équipe du Réman. Le ballon est levé profondément. Et c'est un ballon qui va sortir au bénéfice de la formation du Capon de Dieu. Regardons Malik, Ben Sidré Malik. On récupère du côté du capitaine. Avant qu'on n'a pas connu, c'est un ballon qui va sortir. Remise en jeu envoyée profondément dans la défense de Dieukoué. Force de formation, Dieukoué pour l'instant qui a 3 points. Le cas force de Dieukoué, 3 points. L'équipe de Mans a. L'équipe de Mans qui a donc 1 point. Regardons Johnny Bébé. Johnny Bébé franchit la ligne de contre attaque Johnny Bébé. Belle ouverture sur le côté dans le centre central. Dans la zone jaune, c'était bien envoyé. Récupération de Sidi Bébé, Malik. Sidi Bébé, il va recouvrir du côté de Malik. Bien joué. L'équipe du Cafons en perd le ballon. Et c'est un effet. C'est une faute pour la défense, pour l'équipe de Dieukoué. Une faute aux abords de la zone discontinue. Regardons le ballon de Sidi Bébé, Malik. Malik, Sidi Bébé, belle ouverture. Joli. On va suivre l'équipe de Dieukoué sur le côté. Joli Bébé a révisé. Le ballon va sortir au bénéfice de la défense de Mans. L'équipe de Mans qui va donc contrôler le ballon. Le poteau a bougé. On va donc arrêter momentanément le temps pour bien placer le poteau du côté de la défense. Dans le moment, on est tué. Oui, mais c'est du partage. C'est où tu as transformé, c'est où tu as échangé. Comment tu réalises ça? Vas-y, vas-y. Vas-y, président. Ben vas-y. Je suis M. Omar Poné, secrétaire général de la FIMADA. Je vois que depuis 48 heures, nous sommes dans la ville de Dieukoué. Dieukoué qui a été maîtrisé par la crise post-électorale de la Côte d'Ivoire qui renaît ses cendres. Depuis, à l'occasion de la fête des femmes, la journée internationale des femmes, nous avons pu, à cette occasion-là, magnifier les femmes de Dieukoué. Nous sommes actuellement au terrain. L'équipe de Dieukoué vient d'obtenir sa qualification assez brillamment. Je crois que c'est l'équipe de Dalois qui est dans la balance. Et ce que nous avons constaté hier, c'est que la population de Dieukoué vit. Il n'y a plus de raison d'avoir peur de revenir à Dieukoué. D'après nous, nous y sommes.
bon, c'est le sentiment de joie, hein. De joie parce qu'on a préparé ça. Les résultats sont bons pour nous. Dieu merci. Et quel est votre secret? Votre secret? Bon, le secret, c'est le travail, la solidarité au sein du groupe. Et c'est tout. Merci. Okay, merci. Trouve la version, la vraie version du Yaya.